Que vraiment que le nom de l'Éternel soit béni en ce matin. La majesté, la sainteté de l'Éternel nous incite à louer son nom. J'espère que vous êtes dans la joie en ce matin. Lai 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 l
Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire dans Colossiens 1, versets 15 à 20. Le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez entendu ça? Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ,
tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Amen. 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 Dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit, « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans la plénitude de sa gloire. Il nous a donné notre libre arbitre. Nous avons le choix de le suivre ou pas. Et nous voyons effectivement le monde actuel, comment il est, si je puis dire, à la débandade. Comment il y a tant de souffrances, comment il y a tant de violences. Sans Dieu et sans espérance. Mais nous avons besoin de Dieu. Et je pense que vous l'avez compris, nous avons réellement besoin de Dieu. Et malgré notre rébellion, il nous montre chaque jour son amour. Et il veut vraiment notre bien et il ne veut qu'aucun d'entre nous ne périsse. Donc vraiment soyons reconnaissants chaque jour pour son amour vraiment extraordinaire. Oui, son amour est extraordinaire car malgré notre rébellion, il nous tend chaque jour la main. Et il nous fait chaque jour du bien. Il nous aime. Donc vraiment que nous puissions prendre conscience de cela, que nous puissions vraiment le louer pour ses bienfaits et pour aussi Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc nous allons prendre un chant qui peut-être n'est pas trop connu, ça fait longtemps qu'on l'a chanté, donc que vous puissiez vraiment nous supporter. Amen. À Dieu soit la gloire. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Tu es éternel, le roi tout-puissant. Tu es saint, le Dieu unique, éclatant de gloire et magnifique. Tu es éternel, le roi tout-puissant. Tu es amour, fidèle. Ceux qui s'opposent à toi, toi le Créateur, la terre tremble sous tes pas. Tu es un rocher qui ne faiblit jamais, un ami fidèle, un guide parfait. Tu es doux, bon et constant, sans l'ombre d'un changement. Tu es le seul Dieu et mon sauveur par Jésus-Christ. Tu es l'alpha et l'oméga, je suis. Fais la richesse. Ses plans.
car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire. Pour toujours, amen. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire, pour toujours, amen. Amen, amen. Oh, 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 oh.
règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur, règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, vive à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Que tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Amen. Éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom vraiment soit exalté, car tu es Dieu au-dessus de toute la terre. Ton amour, Père éternel, est sans limite. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour est incommensurable. Et vraiment, ce matin, je veux te dire que je t'aime et que je t'adore. Gloire, honneur soit rendu à toi au siècle des siècles. Amen. Que vous puissiez vous sentir libre d'élever vos voix, de prier, de chanter s'il le faut, de lire quelques versets, que vous puissiez être libre vraiment d'élever le nom de notre Dieu.
nous allons prendre ce chant qui s'intitule « C'était toi ». Comme nous l'avons lu, tout a été créé par lui. Et je suis vraiment émerveillée, car avant la création du monde, il nous connaissait déjà. Amen. Il est le roi des rois. Il se
cet honneur qui nous émerveille par tant de mystère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et comme c'est comparable, quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Je donne la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peurs dans la vérité, oui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé, il est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Et grâce incomparable, quel ami infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, amen, amen. Donc nous avons passé à notre temps de scène. Donc voilà, notre frère Herbert va nous conduire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial puisque nous aurons... nos nouveaux baptisés qui vont prendre part à la scène. Amen. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un moment particulier où nous voulons nous rappeler de l'acte que Jésus a accompli à la croix et cet acte qui a fait de tous ceux qui mettent leur confiance en lui, des chrétiens et des enfants de Dieu. Et je vous invite à lire dans votre Bible ou à me suivre dans Luc 22, à partir du verset 14, on va lire la première sainte scène que Jésus lui-même il a instaurée. Luc 22, à partir du verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Oui, c'est ce que Jésus il a accompli, la Sainte Cène, et il a souffert en effet à la croix, il est mort, il est ressuscité
pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, celle de sauver les hommes et les femmes de ce qui les rendait captifs, de ce qui l'éloignait de lui, le péché. Et aujourd'hui, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est aussi le Messie que Dieu avait envoyé pour sauver les hommes et les femmes de leur péché et de la condamnation qu'ils méritaient, toutes ces personnes ont aujourd'hui, sont aujourd'hui enfants de Dieu. Et ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des personnes qui sont plus intelligentes, et c'est réservé à toutes les personnes que Dieu a créées à son image. Et ce qui m'encourage, moi, vraiment dans le texte qu'on vient de lire, c'est la première, les premiers mots de Jésus au verset 14, quand il dit qu'il a vivement désiré manger cette Pâque avec ses disciples. Et c'est comme s'il me disait à moi et à vous également, je désire vivement avoir une relation avec toi. Et je désire vivement partager du temps avec toi. Et c'est un appel qui est lancé à chacun de nous. Et à ceux qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur, on va partager ensemble le pain et le vin pour nous rappeler des souffrances de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, et aussi de témoigner notre amour en retour. Et pour tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus et qui se posent peut-être aussi des questions, vous avez l'occasion de pouvoir en discuter avec des responsables de l'Église, vous pouvez me voir, de voir aussi d'autres responsables pour en parler. Mais en tout cas, c'est une invitation qui est offerte à tout le monde, et j'invite juste l'équipe de la Sainte-Seine à s'approcher pour distribuer les éléments, et je vais prier. Alors juste aussi de manière pratique, on distribuera les éléments et chacun prendra, on ne s'attend pas, pour que ça soit pas, pour les personnes qui ne connaissent pas la pratique de l'Église, au moins ça soit clair. Voilà, on va distribuer les éléments et ensuite on partagera. Je vais prier quand même. Je prie. Oui Seigneur, tu as dit que tu as vivement désiré manger cette Pâque avec tes disciples. Tu savais ce que cela signifiait pour toi. C'était le dernier repas avant de passer par cette épreuve si difficile que nous, on ne peut pas vraiment imaginer. Parce que toi qui tenais dans tes mains le monde, toi qui as connu la gloire et qui vis aujourd'hui dans la gloire, tu as subi la souffrance, tu as subi l'injustice et tu as subi même la mort à cause de nous. Parce que toi, tu étais innocent et nous étions coupables. Mais il t'a semblé bon par amour de donner ta vie pour que nous ayons la vie. Et nous te disons notre reconnaissance, Seigneur. Nous savons que ce corps et ce pain et ce jus de raisin ne sont que symboliques, Seigneur. Nous savons aussi que tu as vraiment réellement souffert. Et cela témoigne de ton amour pour nous. Et en retour, nous te disons aussi que nous t'aimons et que nous voulons vraiment vivre une vie qui te plaît. Et on te prie que tu nous en donnes la force. Seigneur, tu permettes aussi que ceux qui n'ont pas encore compris la portée de ton sacrifice, que tu leur ouvres aussi les yeux et qu'eux aussi puissent vraiment découvrir ton amour et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. En ton nom, Jésus. Amen.
je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre, en tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, pour ce temps, et je laisse la place à Herbert pour les annonces. Oui, alors, rebonjour, je reviens encore avec mon anti-sieste au cas où l'ordinateur. On a des petits soucis avec cet ordinateur, ça fait quelques dimanches déjà. En tout cas, bienvenue encore à vous tous et à ceux qui sont là pour la première fois peut-être. Quelques nouvelles de l'église. Bon, vous avez peut-être pu le constater, il manque quelques préados dans la salle de culte, c'est parce qu'ils ne sont pas avec nous, ils sont au camping cette semaine. C'est un début de vacances assez dynamique pour eux. Donc il y a notre pasteur et puis Cynthia et Nadia et d'autres aussi qui sont là-bas avec eux. On aura des photos, je pense, au prochain culte. Si vous ne partez pas en vacances, si vous êtes là en tout cas, vous pourrez voir des photos des collégiens. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la vie de l'église, on a des groupes de maison. En revanche, pendant les vacances, on ne va pas tenir de groupe de maison. On aura un temps de prière, de louange ensemble ici à l'église. Donc, le premier temps, ça sera ce vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi de 12 à 20h ici à l'église. Vous pouvez faire passer les messages dans vos groupes de vie qu'il y a bien un temps de prière ensemble ici, vendredi prochain à 20h. Et la semaine prochaine, on va aussi avoir un temps spécial où les enfants de l'école du dimanche, donc Jump, vont animer la première partie du culte. Donc venez nombreux les encourager également. Et si vous avez des enfants, si vous êtes là la semaine prochaine, si vous voulez que les enfants puissent participer à ce temps, vous pouvez les emmener vendredi prochain à 14h cette fois-ci. Pour les répétitions avec Cynthia, vous pouvez contacter Cynthia pour en savoir davantage, pas aujourd'hui, peut-être à partir de ce soir, mais pas maintenant en tout cas. Et vraiment, venez encourager les enfants pour ce temps. Et toujours concernant l'église, on a toujours ce besoin de chaises, on n'en a pas suffisamment. Et on a toujours la cagnotte qui est toujours en place pour pouvoir acquérir de nouvelles chaises.
Et vous avez la possibilité de le faire par un don physique en mentionnant juste chaise sur votre don, votre chèque. Vous pouvez le faire également de manière dématérialisée sur Hello Asso. Et pour ça, vous pouvez aller sur le site de l'église. Vous aurez les informations pour pouvoir faire un don. Et d'une manière générale, l'église aussi a toujours des besoins. Et donc, le soutien est toujours le bienvenu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire ensemble, pouvoir subvenir aux besoins de l'église et notamment au budget qu'on a voté l'année dernière, en avril dernier. Et dans les prochaines semaines, plutôt à la rentrée, on donnera quelques informations sur les finances. Et soyez aussi encouragés également, nous on a vraiment été par des frères et sœurs d'autres églises qui nous ont également fait des dons. Et c'était vraiment encourageant, on a eu un don de l'église de Champs et également un don de l'église de Fontainebleau. Et autour, il y en a pour 12 000 euros quand même. Donc, on est vraiment reconnaissant pour cela. Et ça nous permettra de pouvoir envisager la deuxième phase des travaux pour que les enfants puissent avoir chacun leur classe. Enfin, pour ceux qui sont là pour la première fois ou peut-être la deuxième ou la troisième fois et que vous n'avez pas eu l'occasion de remplir un carton contact, vous pouvez remplir un carton contact en vous adressant à un membre, enfin une personne de l'accueil. Et ce carton contact permettra d'avoir votre adresse mail notamment et vous pourrez recevoir les nouvelles de l'église et connaître aussi le planning, ce qui se fait dans la semaine dans l'église. Voilà, et je vous propose juste de prier pendant que Valdo nous rejoint aussi. Valdo, tu peux venir. Hein? Valdo qui va apporter le message aujourd'hui. Ouais, tu peux venir. Et je prierai à la fois pour Valdo et aussi pour les finances de l'Église. Prions. Seigneur, la vie vient de toi et nous ne savons pas par où, comment elle nous arrive, mais la vie, elle est là et nous prenons plaisir, Seigneur, à en profiter. Et tu nous dis que la vie, elle est aussi dans ta parole et nous prions, Seigneur, que ta parole puisse nous donner la vie et que tu nous donnes aussi, Seigneur, d'avoir cette culture et cette habitude vraiment de lire ta parole et qu'elle puisse nous enseigner, qu'elle puisse nous donner de grandir en maturité pour faire des choses qui te plaisent. Merci pour Valdo, Seigneur, que tu puisses encore être avec lui et qu'il nous parle de ta part et que le message qu'il nous donnera au Seigneur puisse vraiment toucher notre cœur et que ça nous fortifie dans notre marche chrétienne ou encore dans la connaissance de ton nom au Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que c'est toi qui es le Dieu véritable, le Dieu vivant et qui aime les hommes et les femmes d'un amour incomparable. Et merci aussi, Seigneur, pour les besoins de l'Église que tu remplis. Et on veut, Seigneur, te faire encore confiance en apportant le peu que nous avons et que dans ta grâce, tu puisses les multiplier. Et merci pour cette solidarité, au Seigneur, entre les chrétiens qui nous fait du bien, au Seigneur. Et que tu puisses bénir ces deux églises qui nous ont fait ces dons et que tu puisses nous aider tous à œuvrer là où tu nous places pour l'honneur de ton nom. En Jésus-Christ. Amen. Bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Dieu aurait-il perdu la mémoire? Dieu aurait-il pu oublier son bien-aimé David? Dieu n'a-t-il pourtant pas dit à son peuple, en Deutéronome 4, « Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant, il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. »
Dieu peut-il abandonner David avec des promesses comme cela? Et Dieu peut-il m'oublier, moi, aujourd'hui? Eh bien, nous allons nous laisser interpeller par le psaume 38, dans lequel précisément David s'interroge sur cette question majeure que nous avons nous-mêmes, que nous pouvons nous-mêmes parfois nous poser quand notre horizon est bouché. Et nous commençons donc une série de prédications sur les psaumes durant cette période de l'été. Et avant de rentrer dans le psaume 38, je vais donner quelques mots sur le livre des psaumes. Donc, il y a 150 psaumes dans la Bible. C'est le recueil des psaumes que certains appellent psautiers, qui sont répartis en 5 livres. Et la fin de chacun des 5 livres est signalée par une parole de louange spéciale adressée à Dieu que l'on appelle une doxologie. Et il se trouve que notre psaume 41 que nous allons voir aujourd'hui donc est le dernier psaume du premier livre des psaumes. Et donc le dernier verset de ce psaume 41, c'est une doxologie que je vais vous lire. « Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et tout pour toujours. Amen, amen. » Les psaumes sont en fait des prières d'une grande variété. Ils sont des poèmes destinés à être chantés lors du culte des Israélites. Certains psaumes précisent même les instruments à utiliser pour les cantiques. Donc, on n'aurait pas le droit de prendre n'importe quel instrument pour accompagner certains des psaumes. Et ces psaumes ont été rédigés sur une période d'environ 1000 ans, entre le premier psaume le plus ancien qui a été composé par Moïse et les plus récents, 1000 ans. Et David, pour sa part, en a écrit 73, ce qui est presque la moitié du recueil des psaumes. Et on distingue différents types de psaumes. Les psaumes de supplication, les psaumes de reconnaissance, les psaumes de louange, les psaumes d'instruction, les psaumes d'humiliation, d'imprécation, qui expriment en particulier l'indignation face au mal. Et puis il y a des psaumes royaux, centrés sur la personne du roi d'Israël, et puis des psaumes messianiques, comme certains que nous verrons dans cette série. Et les psaumes sont d'abord des paroles humaines adressées à Dieu en réponse à sa révélation et à son œuvre dans l'histoire. Et ce psaume 41, donc, ce que nous verrons la prochaine fois, donc je verrai ça pour la prochaine fois, je m'excuse. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer avec le psaume 38, dans la version du semeur. Donc, le titre qui est donné dans la traduction du semeur, c'est « Accablé par la maladie et par le péché ». Donc, verset 1, « Un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je me sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Verset 12, ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi.
Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Et pourtant, moi, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close, comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, l'Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Voilà pour cette lecture. Et à ma connaissance, il est difficile de trouver un autre psaume aussi sombre que celui-là. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Et du début à la fin, David énumère tous les malheurs dont il est atteint. Malheur provoqué par ses propres fautes, versets 4, 6 et 19, c'est-à-dire son péché. Il est écrasé donc par la conscience de ses péchés. Ensuite, des malheurs attribués à Dieu, versets 2 et 3. Il a le sentiment d'être victime de la colère de Dieu, même s'il précise au verset 4 que son péché en est la cause. Mais quand même, Dieu l'a atteint. Malheur aussi suscité par ses ennemis qui lui tendent des pièges, verset 13. De plus, David est atteint dans sa santé. Il a des plaies infectées, il a du feu dans les reins, tout est déréglé en lui. Cette situation, qui fait penser un peu à celle de Job, c'est une situation qui fait penser un peu à celle de Job que vous connaissez certainement. Toute la vie de David est engloutie dans les épreuves. Et cette énumération de malheurs peut être difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, sous certains aspects, dans la mesure où nous avons, nous du moins, ici, certaines aides, comme au niveau de la santé, comme au niveau de l'assistance, les services sociaux, etc. Mais du temps de David, tout ça n'existait pas. Mais donc, elle n'est pas trop difficile à comprendre pour ce qui touche à notre conscience et à notre relation à Dieu. Or, malgré sa situation qui paraît désespérée, David garde confiance en Dieu. Ses désirs sont orientés vers Dieu, le verset 10 nous le dit. « Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. » Verset 16, « car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. » Versets 22 et 23, « Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. » Verset 23, « Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. » David, de plus, reste sourd et muet face à la méchanceté humaine. Versets 13 et 14, « Pourtant, moi, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et qui ne répond pas. » David est tout entier tendu et orienté vers ce Dieu dont il attend le secours. Verset 15, « Je ne réponds pas, car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. » Envers et contre tout, David reste relié à son Dieu. Dans la faiblesse et le dépouillement extrême où ses épreuves l'ont plongé, il trouve encore la force de confesser sa confiance dans le secours de Dieu. Et contrairement à de nombreux autres psaumes,
il est frappant de constater que dans ce psaume 38, il n'est pas fait mention d'un secours reçu et expérimenté par David. Dans beaucoup de psaumes, vous avez « Mais l'Éternel m'a délivré », etc. Ici, rien de cela. C'est pour ça que je disais que c'est un psaume qui est un peu triste d'une certaine manière. Et il y a plusieurs autres points que j'aimerais aborder au sujet de David. Tout d'abord, sur sa relation à Dieu. David joue carte sur table en évoquant son péché, comme je l'ai déjà indiqué. Il y a quatre mentions, quatre fois une référence à son péché. Il est loyal avec Dieu. Il sait que Dieu, de toute façon, voit tout ce qu'il a fait, donc ça ne sert à rien d'essayer de le cacher. Il dit aussi avoir présenté ses désirs à Dieu. Verset 10, on l'a lu. Il en a parlé à Dieu. Il exprime aussi sa confiance en Dieu et sa dépendance de lui. Au verset 16, sa relation avec Dieu se manifeste aussi par son appel au secours final. Mais il n'est pas fait mention dans ce psaume ni du pardon de Dieu, ni de sa grâce. Il aurait pu dire « Seigneur, tu m'as pardonné, merci pour ton pardon ». Il n'est pas fait mention de cela dans ce psaume. Ce qui ressort surtout, c'est son angoisse et son mal-être liés à son péché. Oui, verset 19, « Je reconnais ma faute et mon péché m'angoisse ». Voilà une conséquence du péché, c'est l'angoisse de David. Et là, je pense que nous avons matière à méditer sur notre propre attitude face au péché. On ne sait quel est le péché ou les péchés qui angoissent David. On connaît un certain nombre de ses fautes. Hein. Il a été adultère, il a été criminel, etc. Mais là, il ne détaille pas, on ne sait pas. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est le sérieux avec lequel David vit l'impact du péché dans sa vie. Verset 5, « Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. » Verset 7, « Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. » Verset 9, « Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. » Le péché, selon le nouveau dictionnaire biblique, c'est la transgression de la loi. On trouve aussi dans cette définition dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, la transgression de la loi. Pour nous, le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Et dans son essence, le péché est un acte de rébellion, une déclaration de guerre à l'égard du Seigneur. Certains péchés sont évidents, comme par exemple un meurtre. Mais certains péchés sont moins évidents. On peut être chrétien depuis longtemps et ne pas considérer que certaines choses que nous trouvons normales, en fait, ne sont pas normales pour Dieu et sont un péché. Notre texte, ce psaume, est une lamentation de David qui exprime une réelle souffrance qui découle de son propre péché. Et en dehors du psaume 51, bien connu, où David exprime sa repentance profonde après avoir péché avec Bathsheba, eh bien, ce psaume 38 est peut-être l'un des plus honnêtes des psaumes au sujet du péché. C'est peut-être aussi ce qui le rend plus difficile à saisir et à comprendre. C'est un psaume que l'on peut trouver triste et déprimant, comme je l'ai déjà dit. Or, on n'aime pas être brisé. On n'aime pas être triste. On peut trouver que David ne prend pas en compte la grâce et le pardon que Dieu pourtant offre, accorde. On peut trouver que David exagère un peu. Il devrait accepter le pardon de Dieu qu'il a à disposition de sa vie. Et il pourrait vivre sa vie. On a le sentiment que grâce au pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, il n'est pas nécessaire pour nous aujourd'hui d'avoir des états d'âme au sujet du péché comme ceux qu'éprouve David.
Cela nous interpelle par rapport à notre attitude face au péché. 1 Jean 1,9, ce verset bien connu du Nouveau Testament, hein, nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il suffit de confesser et le péché est pardonné, effacé. Nous ne devons pas faire l'impasse sur la prise de conscience de la gravité extrême du péché, même du plus petit péché à vue humaine. Nous ne devons pas faire l'impasse sur l'étape de contrition à laquelle nous fait penser la contrition de David. La confession est une phase essentielle qui ne doit pas être bâclée dans notre vie. Elle englobe cette contrition que David nous expose avant de recevoir la réponse de Dieu avec l'assurance du pardon. Assurance qu'il n'a pas reçue dans ce psaume encore. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Et quelle est mon attitude personnelle vis-à-vis des petits péchés? Dans certaines églises, dans la première partie du culte, il y a chaque dimanche, ou de temps en temps, un temps de confession généralement silencieuse où chacun est invité, dans le secret de son cœur, à se remémorer les différentes situations de gros, mais aussi de petits péchés, que l'on pourrait tenter de passer sous silence, et ceci pour les présenter à Dieu et lui demander pardon. C'est évidemment un exercice que nous devons faire chacun au fil de l'eau, au quotidien, et ne pas laisser de situation floue entre nous et Dieu. Nous avons aujourd'hui le privilège de bénéficier de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui a payé pour nous, à notre place, le prix et la rançon pour chacun de nos péchés, petits ou grands. Et cela nous pousse à reconnaître avec grand sérieux l'humilité et reconnaissance. Ça nous pousse à reconnaître le prix que Christ a payé pour que nous puissions bénéficier de la grâce et du pardon. Il a connu, Jésus, donc, il a connu et porté seul la plus grosse et la plus dure étape de contrition qu'il soit lorsqu'il est passé par l'étape de la croix. Il a porté la contrition pour notre propre péché et pour nous donner la vie. Et nous pouvons le louer et nous pouvons l'adorer pour cela. Et la question que je vous pose, mais toi, où en es-tu personnellement ce matin par rapport à son œuvre de rédemption? On a eu la joie d'avoir des baptêmes dimanche passé avec le témoignage de précisément cette confession des péchés et cette contrition d'une certaine manière. Mais toi, tu en es où aujourd'hui face à ton péché? Et si tu es déjà converti, si tu as déjà placé ta confiance en Christ, et si tu as des situations de petits péchés, pas trop graves à vue humaine, mais qui en fait sont quand même graves comme des gros péchés aux yeux de Dieu, eh bien, viens à Jésus et demande-lui pardon et mets ta vie en ordre sur ces points-là. Nous allons prier, puis ensuite nous chanterons un cantique de glorification. À l'agneau de Dieu soit la gloire. L'agneau de Dieu qui a subi la contrition pour nous, à notre place. Donc prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as tout fait pour que nous passions cette étape de la confession et de la réception du pardon. Tu as fait cela grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et Seigneur, on est touché par la franchise et le sérieux de David dans sa vie quand il t'a présenté tous ses états d'âme liés à son péché. Et Seigneur, que nous ne laissions pas dans notre vie des zones d'ombre, des zones de petits péchés, que nous sachions, Seigneur, tout déposer au pied de ta croix. Et que tu nous conduises durant cette journée, mais aussi la semaine qui est devant nous, que tu nous conduises dans tes voies,
que nous marchions dans tes voies, que nous soyons vraiment tes enfants et des disciples fidèles. Bénis ton Église, bénis les jeunes qui sont au camp en ce moment, bénis toutes nos familles, tous ceux qui sont déjà peut-être déjà partis en vacances, Seigneur, on te les remet. Bénis aussi les missionnaires que nous soutenons, les œuvres d'enseignement comme l'Institut de Nogent, la faculté de Vaux-sur-Seine, Seigneur, on te remet toutes ces œuvres, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est les musiciens qui vont venir maintenant pour le cantique « À l'agneau de Dieu, soit la gloire ». Soit glorifié, soit exalté. Merci au Seigneur pour ce temps et que nous puissions vraiment nous souvenir que rien n'est acquis et que nous avons vraiment besoin
du Seigneur pour vraiment nous emmener jusqu'au salut. Alors, que vous soyez tous bénis. Je vous souhaite un excellent dimanche, bon après-midi. Et voilà. Et puis, salutations à ceux qui nous ont suivis sur YouTube.